Oui, alors j'ai une question en fait qui m'a beaucoup intriguée, en fait, qui m'intrigue beaucoup. La signification exactement du 25 décembre, qui disent que c'est Noël que Jésus est né. Donc je voulais savoir exactement si c'est païen, quelque chose inventé par les catholiques ou. Complètement, les catholiques nous ont induits en erreur dans pas mal de domaines. D'abord, tous les saints, la plupart, ils sont pas, il n'y a pas beaucoup de saints africains ou indiens. Donc, aller canoniser les gens comme ça, c'est écrit où on canonise. Dans la Bible, les saints étaient vivants. Hein, voilà, au sein de Rome, au sein d'Éphèse, tout ça. Voilà. Donc, ils vont avec du ciment, avec du sable, ils vont confectionner, ils vont fabriquer, tailler des images, ils vont s'allumer devant l'autre. Ça dit, tu ne feras pas d'image taillée. C'est écrit. C'est le problème, c'est le premier commandement. Et en bref. Le 25 décembre n'a rien à voir avec la naissance du Seigneur parce que Christ n'est pas né en hiver. Hein, la preuve, les bergers qui gardaient leurs troupeaux, selon Luc, dormaient dehors. Donc en hiver, on ne dort pas dehors. Et donc ça, c'est une invention purement démoniaque. C'est une fête à l'origine égyptienne. Et, parce qu'ils ont pris beaucoup des choses égyptiennes. Juste pour votre information, parce que beaucoup ignorent l'histoire. Beaucoup ne connaissent pas l'histoire, notamment l'histoire à la fois du monde et de l'Église. Il y a eu l'empereur romain, Constantin, en 213, en 313 pardon, après Jésus-Christ, donc il accède au pouvoir, tout ça, et il a signé, je crois qu'en 313, un document mettant fin à la persécution des chrétiens. Et en 325, il y a eu le concile, le premier concile œcuménique avec près de 315 évêques catholiques. Et c'est là qu'ils vont concevoir et enfanter littéralement la religion catholique. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ils vont incorporer dans la nouvelle religion beaucoup des choses de païennes. L'ordination, par exemple, des prêtres. Ils ont copié ça chez les médecins grecs qui étaient ordonnés parce qu'ils faisaient allégeance à les médecins. Hippocrate. À Hippocrate. Voilà. Donc ils ont copié ça. Ils ont copié beaucoup de choses. Mais plus loin, après lui, il y a eu Théodose Ier. En 380, il décrète, il dit clairement que la religion chrétienne est la religion, donc l'Église catholique, la religion officielle de l'État, de l'Empire romain. Et il va s'apercevoir que beaucoup des sujets de l'Empire romain ne voulaient pas accepter la nouvelle religion, l'Église romaine. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va maintenant, il constate que ces sujets romains priaient à la fois le Dieu de le Jésus-Christ, mais un faux Jésus, et leur divinité. Alors il va changer les noms des divinités gréco-romaines en des noms des saints chrétiens, saint Thomas, saint Pierre, ce sont des démons. Vous voyez? Voilà. Et on peut, selon eux, selon lui, on pouvait s'adresser à chaque saint pouvait répondre à un besoin bien spécifique. Donc c'est ce qu'on retrouve chez les Égyptiens, ce qu'on retrouve chez les Romains, hein, chez les Grecs, avec leur divinité. La même chose. Ils les ont habillés avec des vêtements soi-disant chrétiens. Notamment la fête de la Noël. Voilà. Donc c'est complètement charnel. Et d'ailleurs, c'est devenu une fête commerciale. Voilà.